Eh bien le bonsoir à tous et à tous pour ce kick-off ici au Survivor Series, alors qu'on accueille la première challengeuse. Introducing the challengers, first from Columbus, Ohio, Alexa Bliss. C'est un match triple menace pour les WWE Women's Tag Team Championships et Alexa Bliss a une partenaire mystère. Elle l'a dit, c'est une partenaire mystère face à la team Rhea Ripley et Candice LeRae face aux Iconics, les championnes. Tornado Triple Tag Team Match pour les titres. Pour ce kick-off des Survivor Series 2019, c'est du bon. Alors, qui est sa partenaire mystère? Mais, me dites pas que c'est... Non. Mais si, c'est Nikki Cross. C'est la musique de Nikki Cross de Sanity. Oh, Nikki Cross qui est de retour. Et c'est la partenaire d'Alexa Bliss. From Glasgow, Scotland, Nikki Cross. Oh, la surprise de ce kick-off. Alexa Bliss a choisi Nikki Cross comme partenaire. Ancienne de Sanity. Alors ça, c'est de la surprise, hein. Ah, elle pouvait choisir n'importe qui, mais elle a choisi... de faire revenir dans le mode univers Nikki Cross, qui ma foi n'a jamais vu le main roster, donc ses débuts dans le main roster aussi, parce qu'elle avait quitté le mode univers alors qu'elle était encore à NXT avec Sanity. Malheureusement Sanity ça flop, hein. ça flop, non mais ça, on peut le dire, ça flop, et ça a disparu, c'est dommage d'ailleurs, mais bon. Et c'est donc la team Alexa Bliss et Nikki Cross. Ça peut être intéressant et ça peut donner un très très bon match par équipe pour ces titres qui sont remis en jeu face aux championnes les Iconics, qui on rappelle avaient remporté les titres par équipe dans un match de table face à la Riot Squad. Et regardez qui est là, Candice LeRae d'NXT. From Anaheim, California, Candice LeRae. C'est vrai que ce match, c'est Raw versus SmackDown versus NXT, et comme tous les matchs de la soirée, normalement, oui, bah oui, à peu près. Et là, elles font partie d'NXT, Candice LeRae, qui a perdu hier soir lors de NXT TakeOver All In. Et d'ailleurs, elle fait équipe avec une de ses rivales de hier soir, d'ailleurs, hein, Rhea Ripley. Elles étaient chacune face à face. Donc là, ce soir, elles font équipe. Bah, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je sais pas si ça va fonctionner, cette équipe. Mais... vous imaginez si les titres sont remportés par NXT? Oh là 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 là. Ce serait fou. Ce serait fou. Alors qu'on accueille celle qui a amené la victoire hier soir à la team Shayna Baszler. Rhea Ripley qui est huée, hein, pour ce kick-off. On rappelle que le pay-per-view sera en direct à 21h. Soyez présents, venez en masse. On veut le maximum de personnes pour ce pay-per-view. En direct à 21h, vous pourrez retrouver la team Triple H versus la team Undertaker, la team Ronda Rousey face à la team China. Vous pourrez retrouver le champion de la NXT, Johnny Gargano, face au champion universel Seth Rollins, face au WWE Champion Samoa Joe, et tant d'autres. Oh, Connects. Elles sont là, les Australiennes. Ça fait plaisir. Billie Kay and Peyton Royce, the Iconics. The WWE Women's Tag Team Champions, Peyton Royce et Billie Kay. Hué, bien évidemment. Ah, vous êtes tous des rageux. pouvais pas comprendre. En tout cas, Peyton Royce, elle a des gros yeux. Ah, faut dire qu'il y a du niveau hein, ce soir. J'aimerais bien qu'elle conserve les titres. Ça fait pas longtemps qu'elles les ont en plus, ces ceintures. Ce serait bête de les perdre, mais j'avoue qu'en face, y a du challenge quoi. Ah ouais, on a deux équipes qui ont de la gueule quand même. Ah bah ça a de la gueule, je vous le dis moi. Les Iconics représentent Raw, Alexa Bliss et Nikki Cross représentent WCW SmackDown. Et bien sûr, Rhea Ripley et Candice LeRae représentent NXT. C'est pas mal ça quand même. Hein, et ces trois équipes en même temps, c'est parti, il va falloir avoir des yeux partout. La première équipe qui subit le tombé a perdu évidemment. Pas de tag élimination, la plupart des matchs par équipe de ce soir seront en tornado. L'arbitre qui vient d'être violemment heurté. Il a été heurté. Là, alors on va se concentrer sur Rhea Ripley qui attaque Nikki Cross, qui refait ses débuts ce soir, son retour. Billie Kay qui s'occupe de Candice LeRae et Alexa Bliss qui s'occupe de Peyton Royce. Chacune à sa rivale. Ah, c'est bien fait ça. Neckbreaker de Candice LeRae. Alors qu'Alexa Bliss se fait projeter dans les cordes. Peyton Royce qui l'assoit. Coup de poing de la part de Billie Kay. Et la close line et Candice LeRae qui passe par-dessus la troisième corde. Oh, et dire qu'elle vient toute d'NXT là. Mais vraiment, hein, elles viennent toutes d'NXT dans ce ring. Attention, le tombé de Peyton Royce. Un, et le dégagement. La première tentative du match. Ça c'est intéressant de le noter, que c'est important. Oui, jusque-là, ça va pas bouger. Ça, c'est tout quand même dans le match, cette tentative. Oh, collision entre Billie Kay et Nikki Cross. Oh là là. Nikki Cross a foutu des coups de coude et après elle a enchaîné le tombé. Non, il y avait une prise de soumission me semble. Oh, Candice LeRae qui vient de faire un joli retournement sur Nikki Cross. Alexa Bliss est de retour. Coup de pied sur la face de Billie Kay. Candice LeRae encore sur Nikki Cross. Rhea Ripley qui c'est un peu fail, elle s'est un peu fail. Attention. Oh, Candice LeRae, qu'est-ce que... Ah bon, ouais, d'accord, ouais, ok. Alors, c'est bien Peyton Royce. Non, elle a volé, elle a pris son envol. Je crois que Candice, elle a pris du Red Bull avant. Ça donne des ailes, donc elle s'est envolée pendant un instant de quelques secondes. C'est pas mal, c'est bien. Rhea Ripley. Ah, qui s'occupe d'Alexa Bliss. Neckbreaker de Peyton Royce sur Candice LeRae. Oh, Nikki Cross qui s'assoit dans le coin et qui regarde, qui observe. Oh, Rhea Ripley qui... Oula, elle s'occupe de tout le monde. Elle s'occupait d'Alexa Bliss, maintenant elle s'occupe de Peyton Royce. Oh, allez, souplesse ventrale. Les Iconics sont en PLS, mesdames et messieurs les championnes, qui sont au sol. Il va falloir avoir des yeux partout, hein, parce que la première équipe qui réussit le tombé est championne. Là, pour l'instant, les Iconics, ça brille pas de mille feux. Peyton Royce est à gauche de l'écran, à l'extérieur du ring. Tandis que Billie Kay, elle prépare le coup de la guillotine sur Rhea Ripley. Alexa Bliss qui se fait projeter. Facebuster ou Hurricane Rana de Billie Kay. Ah, Rhea Ripley à l'extérieur, KO, il faut en profiter. Qui Cross qui enchaîne Billie Kay de coups de poing. La tentative de Billie Kay. One, two, non, dégagement. Ça aurait pu, hein. Ça aurait clairement pu. Billie Kay, regardez Billie Kay. Elle est excellente. Tentative? Non, pas de tentative de la part de Peyton Royce. Ils sont toutes dans le ring. Tentative de tomber de Billie Kay. 1, 2, et non, décachement. Tentative de tomber d'Alexa Bliss. 1, 2, 3. Alexa Bliss et Nikki Cross qui sont les nouvelles championnes. Elles viennent de remporter les titres par équipe féminin. Holy shit, nouvelle championne. Oh ben c'est un retour gagnant pour Nikki Cross. Retour gagnant pour l'Écossaise. Ah bah alors ça c'est la surprise. Eh ben bravo. Elle a profité de l'occasion, Alexa Bliss. On l'a vu cette petite occasion. Eh ben voilà donc. Ah, joli DDT aussi. Here are your winners, Alexa Bliss and Nikki Cross. Nouvelle championne par équipe qui sont à SmackDown. Eh ben bravo, c'est mérité, je suis content pour Alexa Bliss. Ça fait plaisir de la revoir avec un titre.